Salut tout le monde! Salut, salut! Alors, aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un petit peu différent pour, la... pour le stream. On va faire une vidéo de YouTube ensemble et on va un peu faire un breakdown comme je fais d'habitude avec une série que j'adore. Donc, on va faire ça ensemble et aussi. Je veux rappeler à tout le monde. Si vous voulez pratiquer avec moi, vous pouvez aller sur, euh, sur le site. Je vais le mettre. Je vais le mettre en bas le, le lien pour le site. Alors attendez. Voilà. Hop. Et je vais le mettre. Je crois que, en fait, je crois qu'il est dans la description. Je suis con. ouais Did I put it in the description? Hang on. Hang on. Yeah. OK. Ouais. Donc, si vous voulez participer avec moi et vous voulez pratiquer la conversation, vous pouvez aller sur le site qui est dans la description et vous pouvez venir pratiquer avec moi. Donc, n'hésitez pas, OK? N'hésitez pas à venir pratiquer avec moi. Alright. Well, if not, we're going to do. C'est Camelot. Voilà. Moi, j'adore Camelot. J'adore cette série. Donc, on va faire ça ensemble. Alors, attendez une seconde. Il faut que je fasse un petit truc. Nyeh. Voilà. Euh, on va faire le tome 1. Hop. Et on va faire... Subtitles in French. Ah, maybe I can have subtitles in both. Je j'ai extension for that. Ouais, j'ai l'extension, c'est bon. et eh ben. Ah, bah ben oui, c'est bon. Voilà. Voilà. Alors, ouais, on, va, on va devoir un peu élargir, par contre. et eh ben, impeccable. Voilà, voilà. Oh putain. Donc là, je fais display capture. Allez, c'est bon, impeccable. Donc moi j'adore cette série, ça s'appelle Camelot. It's gonna look super janky for a second. Camelot, comme ça. Et c'est une série française qui est culte. Elle est super culte cette série. Euh, alors why am I not? Ah, there you go. Voilà. Donc on va, on va étudier cette série ensemble ou du moins quelques petits passages qui sont drôles. Alors ce qui est cool, c'est que c'est des sketchs en fait. C'est des sketches en en, euh, en français. Donc, on peut, vraiment, euh, on peut vraiment prendre notre temps pour analyser ce sketch, etc. Ok, well actually, maybe not too big, because if not, I'm going to compete with the subtitles. So, voilà. Alors, voulez... alors ouais, Vous on, voulez -vous... Va, on va commencer. Vous voulez... On va commencer avec celui-là, voilà. Alors, c'est parti. Voyez-vous Non Ah, bah, ben, tournez vers là-bas, c'est sûr. Moi non plus, je vois rien. Passez la tête. Passer la tête pour me prendre une flèche dedans, non merci. On n'entend plus rien. Hein. Si ça se trouve ils ont foutu le camp. Ah se... oula, ouais c'est bon ça. Alors on a deux expressions. On n'entend plus rien. Si ça se trouve ils ont foutu le camp. Si ça se trouve ils ont fichu le camp ici ils ont mis fichu, mais, euh, mais en réalité dans le euh, en réalité dans la vidéo ils disent ils ont foutu le camp. Alors c'est intéressant parce qu'on a une petite euh, on a je vais mettre un petit texte en fait ça va être Bien, si je mets un petit texte sur le... Hop, texte, voilà. Et on va faire... Hop. Et donc, ici, ça s'appelle foutre le camp. Voilà, foutre le camp. Foutre le camp, ça veut dire en, en, en anglais... To get the hell out, je crois. C'est le, le plus... Euh, C'est le plus commun. Voilà, donc, foutre le camp. To get the hell out. Voilà. Donc là... Hop, je vais faire autre chose en fait. Je vais faire comme ça. Maybe if I can do it here. Uh, I think it's this one. Pretext 2. To... Ah merde, non, c'est pas ça. Oula, je galère aujourd'hui, je galère. Je commence à faire quelque chose de nouveau. Bim, bam. Et non, attends, add existing, non. Je vais créer une nouvelle. Euh, on va l'appeler. Et. Je vais pas me changer le keyboard quand même. On va l'appeler. Traduction. Bim. Voilà. Et on appelle ça. On va faire. Euh... C'est. Foutre le camp. Voilà. Foutre le camp. To get the hell out. Parfait. Et là, je peux l'enlever après. C'est parfait ça. foot le camp. Bim. Why am I not? Voilà, on va enlever ça. Voilà. Ok. Donc, oui, là, l'expression, c'était foutre le camp. Et j'aime bien aussi, il y a une autre expression ici dans cette partie. Si ça se trouve. Donc, si ça se trouve, comme ça, on peut dire. C'est un peu une manière en argot français de dire supposedly or. Uh, Supposedly, allegedly, mais c'est un peu plus euh, uh, apparently. C'est un peu plus, c'est un peu plus relax, d'accord. C'est pas très euh, très éloquent, si ça se trouve. Donc, si ça se trouve, ils ont foutu le camp. Well, apparently, or maybe they're gone. They got the hell out. Si ça se trouve, ils ont foutu le camp. Voilà. Alors ensuite, ah merde, qu'est-ce que j'ai fait encore Voilà, c'est bon. <laughs> si ça se trouve, alors. Alors, pour nous sortir de là, il va falloir un peu plus solide que du si ça se trouve. Alors, pour nous, so Alors pour nous voilà. sortir de là, il va falloir un peu plus solide que du si ça se trouve. Ils sont encore là, ces cons. On va pas rester planté là comme des radis si un autre. <laughs> On va pas rester planté là comme des radis. Alors, rester planté quelque part, j'aime bien cette expression. Rester planté. Rester planté. Ça veut dire. To. Hmm. Alors, planter quelque chose, ça veut dire « to plant something ». Mais ici, dans le contexte, c'est un peu différent, parce que « rester planté quelque part » is to stay stuck somewhere, or basically, just like, to stand, well, to stand somewhere. But here, yeah, with the intent that you're supposed to move. Like, uh, they'll find them. Here, they're trying to uh, not be seen by groups. group. So, well, if we stay here, we're going to get... Caught. So rester planté là. On va pas rester planté là. We're not gonna get stuck here. We're not gonna stay here. Et un radis, that's a turnip. Allez, hop, on continue. Groupe qui par là, deux côtés. le coup du bouclier humain Alors, je vais, re je vais reconnaître... recommencer ici. Qui ah, par là, deux côtés. le coup du Alors, attendez, attendez, attendez. Alors, on est marron des deux côtés. Voilà. Alors être marron, j'adore cette expression aussi. Être marron, comme ça. Alors être marron, ça veut dire. C'est une manière, c'est une manière en français qui est pas vulgaire de dire. Euh... <laughs> La première traduction que j'ai à l'esprit, c'est to be fucked, but basically, well, uh, if not we're fucked on both sides, on both sides. Mais c'est pas vulgaire en français, c'est pas vulgaire. Euh, voilà. On continue. Si on faisait le coup du bouclier humain Quel coup Par exemple, sire, Léo Dagan et moi, on fait semblant de vous prendre en otage. On vous met une dague sous le cou et on traverse le camp adverse en gueulant Bougez pas, bougez pas ou on bute le roi. Eh, hey, quelles sont nos chances Alors, ouais, je vais revenir un petit peu en fait. Traverse le camp adverse en gueulant. Bougez pas, bougez pas on bute le roi. Bim, voilà. Bougez pas, bougez pas ou on bute le roi. Alors, ici, un autre mot qui est intéressant, c'est le mot buter. Buter, c'est un mot en argot pour dire to kill. Donc, ici, bougez pas, bougez pas, ou on bute le roi. I, I love the way. Like, don't move, don't move, or the king gets it. Ouais, c'est une bonne traduction. Uh, ou on bute le roi. I'm going to make that a little bit. Voilà, a little bit bigger. Un petit peu plus grand. Parfait. OK. Alors, juste une petite pause. Ne... Souvenez-vous que... Souvenez que, euh... Souvenez que je peux faire de la conversation avec vous, d'accord Donc, si vous voulez venir faire la conversation avec moi, vous pouvez venir sur le stream directement. Et il y a le lien dans la description. Donc, n'hésitez pas à venir me rejoindre si vous voulez pratiquer avec moi, d'accord et posez-moi des questions aussi. N'hésitez hein, si, pas à interagir avec le chat si vous voulez pratiquer avec moi. Alors. Alors, alors, alors. Let's see. On va continuer avec. Well, let me make that clear also in English, because I know. You're still learning French, but I just want to make sure you get everything I say. So, if you want to go interact with me in chat, I'm doing something, right, on stream waiting for anybody to show up. But if you want to practice conversation with me, you have the link in the description in order to jump into whereby with me and I can help you practice your French. Really no pressure. Anybody can jump in. Uh, all levels, I'm happy to help you uh have a safe space to to practice. well obviously, you'll be on camera. You don't have to turn your camera on, but at least you'll be here. So up to you, link is in the description. It's whereby.com slash learn French with Vince, and you can come practice with me. Voila. And if not, I'll continue breaking down Camelot, waiting for someone to show up in the, in the room. Super Daniel. <laughs> Salut. Alors, on va continuer. Super, super. Voila, display capture. Ok, so here we stopped on buté. On va bouger pas, bouger pas, ou on bute le roi. Like, don't move, don't move, or the king gets it, or the king, we're to kill the king. Très bien. Alors prochaine phrase. Hey, quelles sont nos chances si on fonce Ouh, j'adore ça. Alors ici on a un verbe intéressant, le verbe foncer. Foncer, ça veut dire euh, hmm, comment je peux traduire ça Uh, to charge, I like the idea that they have in the translation to charge, mais c'est pas c'est pas parfait pour traduire, c'est pas parfait. Si je peux une meilleure traduction, je dirais uh, we get in there, uh, foncer, is to go full speed basically. Uh, if I say some, uh, if I say to someone, fonce, fonce, you know, kind of like as a as an order, that's more like come on, move, as fast as you can, fonce. Ok, on continue. Si on sous ça, droit devant, en plein dans leur tronche. Oh, so much good slang right here. Droit devant, right at them, or straight ahead, en plein dans leur tronche. Alors une tronche, une tronche ici, ça c'est, ça c'est uh, a face. But uh, if you have to understand that more as like their mug, right in their mugs. So here. Yeah, basically, uh, en plein dans leur tronche, right in there. Right in them. On sait même pour combien ils sont. Ah oui, mais nous, on est trois, enfin deux et demi. Alors, s'ils sont dix, on est cuit On est cuit On est cuits. Ça, c'est une autre expression qui est super. On est cuits. Euh, on est cuit Voilà. So, literally, we're cooked. We're cooked. But I don't like the translation they have. They have here. Uh, We're done for would be probably the best the best translation here. We're done for. On est cuit. We're done for. Cuit. On pourrait balancer de la caillasse vers là-bas. Comme ça, ils disent qu'on y est, et nous, on part dans l'autre sens. Allons, oh s'il vous plaît, hein, laissez tomber les combines <laughs> de ronds. Non, non, non. Une combine, une combine. Alors ici, une combine. Ça, c'est. Uh, a trick or a, an idea or a scam or something like that. Here in this in this sentence, it's more the idea of like a trick, yeah. And à deux rond. oh, I love that. À deux rond. à deux rond, ça veut dire. Well, un rond ici is an old way in French to say a coin. So à deux rond, worth two coins, and here basically like a stupid idea. Laissez tomber les combina and I stop with the uh with the crappy uh, crappy tricks stop with the crappy tricks um, I think like there is if, if I remember right there is something to say a in English um, like I, I think that you have a you you have something similar like a two-trick pony or something like that in English to say that someone doesn't have a whole lot of skill that's kind of like the same idea. Uh, something that's not worth a lot, basically. vous allez voir! Pas par là! Pas par là! en plein dans sa mouille! Mais vous êtes complètement cons! <laughs> Alors, parfait. Ici, c'est intéressant parce que. Euh, donc, Léo Dagan et Perceval. Oh non, ici, c'est Perceval, pardon. Donc, Perceval, ici, il dit euh, en plein dans sa mouille. Alors, tout à l'heure, on a vu tronche. Il y a plusieurs manières de dire la tête ou le visage. Il y a donc le visage, la tronche, la mouille. Euh, y a, y a Il euh, uh, y a plusieurs choses comme ça. Après, c'est drôle parce qu'ici, ils ont interprété ça comme uh, right on the arse. <laughs> Mais ici, dans sa mouille, I think that they meant that they they face, honestly, I think. Uh, voila. mouille! Mais vous êtes complètement con! Être complètement con? Are you completely stupid? Alors, con ou con, I made a video about that. That's a good one. Uh, the origin of those two are very, very, very rude. In English, it would be the C word, actually, so yikes. But in French, it lost completely all power. Uh, I mean, as far as like how strong it sounds. So, even if the origin is very, very crass, in usage, it's more, especially here, use as like stupid. Uh, you could use it as an insult. You could use it as like an adjective. Here it's like, are you completely stupid? Are you completely dense? Um, but if not, you could say that like, as like, uh, hey asshole, hey salcon, something like that. Donc so ce pas aussi fort que l'équivalent en anglais. Vous allez peut-être me dire que maintenant il croit qu'on est là-bas. <laughs> non mais maintenant il faut se tirer dans l'autre sens. Allez, un autre. Se tirer. se tirer. Se tirer. On a vu ça tout à l'heure au début. We saw it earlier. Se tirer to get the hell out. Se tirer. Ah bah ben, un peu oui. <laughs> they use a lot of expressions that I wouldn't necessarily use myself, but that are interesting. So here's the thing a lot of those, you can kind of recognize what it is in context. Um, it's funny because, in my experience, uh, um, well, I'm French, obviously, but in my experience, a lot of French people just say things like that that are not necessarily. Common everywhere, but that you can still recognize in context. So even if you don't know an expression per se, you might need to infer it in context. That happened a lot to me. I'm from the south and uh, I didn't essentially know uh, expressions from Bordeaux or Toulouse. I didn't know expressions from uh, Strasbourg. So if I were visiting outside of where I used to live, I had to infer a lot in context. Okay. So, pas... par oui. exemple, par exemple ici, radiner voilà ils sont en train de radiner droit sur nous uh, they're coming right this way so radiner here i wouldn't use it like that personally because un radin un radin is a scrounge uh, so a scrooge. yeah something like that well someone that uh, uh, um, a tight purse or something like that mais nous, on et quand ils arrivent là ils sont être piné être piné, that would be another way to say to, to be fucked basically well and when they get here they're fucked there's no one Piné, il y a personne attendez je vais les attirer ailleurs <coughs> merde j'ai plus de pierre qu'est-ce qu'on fait bah attendez je vais vous rendre la vôtre. oh pép j'ai failli me la prendre ah ça c'est pas mal ça j'ai failli me la prendre alors prendre quelque chose ici une pierre that's to who... Uh, get hit by something. J'ai failli me prendre la pierre. Mais attention, j'ai failli me la prendre. I almost got hit. I like the verb faillir. Uh, um, alors, faillir, that's literally to fail. But we never use it in, in this idea. We use it as a replacement for almost, actually. So, especially in the past, we don't really use it in the present tense. We only use it in a passé composé tense, like I almost. Um, so j'ai failli me la prendre. I almost got the rock, but here you can translate that back as you nearly hit me. You almost hit me with the rock. So the sentence structure is flipped on its head. Be careful about this one. Super, super common in French. J'ai failli me l'apprendre. You nearly got me <laughs> careful. All right. Okay. Okay. So little, let's do a little check together. Anybody wants to join with me for, for practice? Let's see ooh i got five people on the stream hello everyone Allo. so remember if you want to practice with me you can come join anytime you can interrupt me whenever you want i'm just doing this video waiting for someone to to actually join um and yeah all you have to do to join is to basically go on whereby.com slash learn french with vince and then you can and then you can basically Coming together. I'm actually going to put the link in the chat too. It's in the description, but I'll put it in the chat regardless. Let's do it. Up. Uh. All right. So, yep. And I'm gonna pin it to the top so you can see it. Voila. So whenever you want to join in, come hang out. Doesn't matter your level. If you're beginner, if you're super advanced, I can help you practice your your French with me. All right. So, allo, 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 let's go back to uh to Camelot. Okay, waiting for anybody to join in. And really no pressure. I mean what I like to do usually uh as like a little side comment for people that struggle with conversation, you know, to have the confidence to to uh, uh to talk with with someone at, and rapid fire french i like it in between for practice where we do whatever we can and i'm also using like a word document or something like that and i type this the i transcribe as we go along you, you saw me do that last week a little bit with um, uh, with matt and uh he's, he's excellent he has an excellent level but i know that a lot of you feel like oh I'm, I'm maybe not at that level so i don't want you to feel self-conscious okay i do that with a lot of my students where we have this in between where we take our time we analyze the sentence structure together and i like to do that with you I, I want to provide a platform for you to practice for free uh, no questions asked and you know to give back a little that's my way to give back and to help you uh, to help y'all learn my native language why not Okay. And also get those questions coming if you have any. Alors. Ah, Jason. Woohoo. All right, so let's see. Salut Jason. Hey, the oh, there you go. Hi Jason. Bonjour. <laughs> okay. Oui, je t'entends. Super. All right. Yeah. Um, give me one C'est gentil, merci. All right, let me change the display here very quick. And let me turn on my camera. Oh no, I lost him. Alors, let's see. If I do general webcam, well, there'll be my green screen in the back, but oh well, doesn't really matter, I guess. Uh, Let's do. And let's do. I'll do video capture waiting for it. What if I do a filter here? Hey, not on this one. I'll do a filter on that one. Or the green screen. Yeah, I already have one. That's perfect. Parfait. Parfait, parfait. Up, up, up. There you go. Let's do an image in the back. Oh no, I'm bummed. I wanted to. I wanted to help someone, so I was glad to have someone. Well, Jason, if you can hear me, welcome to Ah. What voilà. <laughs> up? Super. Salut, Jason. Oui. Salut. Au oh, instant, parce que j'ai uh, YouTube, uh, YouTube qui pas. D'accord. Pas de problème. Pas de problème. Hop. Uh, Let's see. Is it working? Yes, it is working. Wonderful. Up. Super. Oui. Parfait, oui. parfait, parfait. Comment tu vas, Jason? Oui, C'est bizarre parce que je vous écoute pas par mes écouteurs. Ah. Je, tu... je écoute suis par le camp. Weird. Hold on. Hold on. Hold on. Hold on. Microphone. Oh, je déteste. <laughs> How about this? Can you hear me a little bit better now? Tu, tu m'entends? Ah merde. Wait a minute. What if I do? Just yes, now. Oh, ok, perfect. Wonderful. Sorry about that. <laughs> oui, parfait. C'est bizarre. J'ai essayé les écouteurs sans fil, mais ça marche pas. Super. Alors du coup, oui. euh, comment tu comment tu vas? D'où est-ce que d'où est-ce que tu viens? Je... Oh, oui, ouais. De la chance. On est dans la même zone horaire. C'est plus facile que quelqu'un en France où ailleurs. Ouais, c'est sûr. J'habite à Toronto, c'est donc une heure par vol de New York. Uh -huh. C'est samedi matin, c'est plus facile. Ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est beaucoup plus facile de cette manière. Génial Parce que dans ce, dans ce temps-là, j'ai eu des rencontres avec des gars, des mecs en Europe mm -hmm. Mais j'oublie tout le temps que la, la, la différence d'horaire, mais c'est un peu difficile à régler. Oui, c'est vrai, c'est vrai, parce que tu as, si tu vas en France, par exemple, tu vas d'habitude, c'est six heures de, de différence. Oui, ouais. Ouais, c'est beaucoup. Mais je, je, je viens d'arriver à son compte euh, YouTube, il y a juste quelques semaines. Ouais. Mais ce que j'adore, ce que je kiffe, et tes cours vidéo sur les langues street French. Ouais, sur, sur l'argot de rue. Je vais le mettre euh, ouais. Je vais le mettre dans le ouais. chat. Alors, l'argot de rue. Oui, l'argot de rue. Parce que le plus de mon français, j'ai pris des cours au, au début avec Alliance Française. Ouais. Mais quelques-uns, j'ai pris une pause. Mais je crois deux tiers de mon français viennent de l'argot français de YouTube avec des potes quelques potes français ouais et Netflix génial donc ouais c'est bizarre je, comme tout le monde, mec on apprend le français l'argot mm -hmm. plus facile que le français très formel mmh, je vois je vois je vois que, en même temps parce que je j'ai pas Japon la langue pour voyager, pour communiquer avec des mecs, des, des amis. Donc, ce n'est pas nécessaire de, de niveau de très haut en français. D'accord. Donc, pour toi, l'objectif, c'est plus de juste de, de s'amuser et d'avoir de, de, euh, des conversations normales avec des amis. C'est ça? Oui, mais je ouais. donne le, tous les verbes. Je ne sais pas pourquoi j'apprends, c'est tout comme. Comme je dis avec mes amis, on est on est défoncé, on est foncé, des, plus que on est bourré. Ouais, on est foncé. Ah, j'aime beaucoup ça. Je vais le mettre pour les autres sur le sur le chat comme ça ils peuvent voir. Alors oui, ça c'est un super verbe défoncer. Alors ça veut dire en réalité ça veut dire to destroy. Mais on l'utilise aussi comme adjectif. Euh, être défoncé. Alors être défoncé. Uh <laughs> how would you translate that in English actually to be high or to be drunk to be stuck out to be wasted drunk I, or wa struck out wasted I like wasted yeah être yeah. défoncé and you can have a layer deeper with the verlan foncé j'adore j'adore super Ouais donc ouais. Euh, donc ce genre de c'est drôle parce que pour moi c'est la même chose tu vois Euh, pour moi, j'aime beaucoup, euh, beaucoup faire de l'argot aussi en anglais. J'ai dû apprendre l'anglais pour venir ici aux États-Unis. Et euh, c'est la même chose. Donc je comprends exactement ce que, ce que tu fais. C Mais tu parles, tu parles anglais parfaitement. Qu Qu'est-ce <laughs> qu que tu apprends Je ne comprends pas. Je... Tu, tu habites à New York depuis, depuis combien d'années euh, Pas longtemps. J'habite à New York depuis deux ans et demi depuis deux ans oh, et demi. Oh, yeah. Mais c'est plus facile à New York. Ouais, c'est facile à New York. Bon, après, euh, il y a des expressions qui sont différentes. Évidemment, oh, il y a un accent qui est bien différent. Bien. Euh, mais euh, j'ai appris l'anglais en France et j'ai j'ai étudié beaucoup de choses en, en, en France pour l'anglais. Euh, j'ai regardé beaucoup de séries télé pour apprendre de l'argot, ce genre de choses. Et j'avais des amis américains, donc j'ai pu pratiquer beaucoup avec eux. Euh, et ensuite, je suis venu aux États-Unis, je, je me suis marié aux États-Unis, et euh, ah, voilà, et ma femme ouais. est américaine, donc je, je parle majoritairement anglais à la maison. Oui, bien sûr, mais je aucun accent de toi. <laughs> c'est gentil, merci. Oui, c'est. Donc, je, je t'ai posé une question tu parles anglais depuis. Ouais, de... depuis longtemps, oui. Ouais. J'ai commencé à apprendre l'anglais euh, à l'école. Puis je sais pas, j'ai toujours aimé, donc euh, pour moi, c'était plus facile parce que c'était quelque ouais. chose qui me passionnait. ouais pour moi, ouais, ouais y a de... Il y a beaucoup de gens qui parlent anglais ou une langue différente, mais il y a encore un accent. Mais mm -hmm. j'écoute rien de, de toi. <laughs> et bien sûr, je je rends compte que j'ai un accent anglophone très fort ah oh, mais ça va en fait tu, tu as tu as un petit accent mais c'est pas très c'est pas très fort c'est pas très très fort oh. Oh, okay. ok ouais <laughs> tu, tu sais c'est intéressant parce que tu as différents types d'accent pour les gens qui apprennent le français euh, moi l'accent anglais ça dépend des gens et ça dépend des gens tu as des gens qui ont des problèmes avec le R, tu as des gens qui ont des problèmes avec les les voyelles, le son des voyelles. Par exemple, si si j'exagère, if I if I exaggerate the it would be like bonjour, you know, <laughs> stuff like that. Yes. <laughs> Mais c'est pas ton problème, c'est pas ton problème oh, du man. tout. Ouais, c'est bizarre. Um, dans ce certain niveau, mm -hmm. je, avec les séries très jeunes, ouais. je comprends deux tiers de D français, mais avec les séries plus adultes. Oui. Je comprends presque 80, 90%. Ouais, ouais, ouais. Un peu différent. Et dépend. C'est dû au des jeunes Chiron. Absolument, absolument. Donc, tu as du vocabulaire qui est très différent et tu as du vocabulaire qui est, euh, euh, qui, ça dépend de, ça dépend de la culture, ça dépend de, euh, ça dépend aussi de l'âge. Tu as raison. Euh... Ouais. Ouais. donc euh, tu vas rester au New York pour longtemps oui oui euh, j'aimerais rester à New York pour toujours <laughs> ouais, ouais. Pour... parce que j'ai eu tellement de conversations avec des français uh -huh. qui ont déménagé dans nos New World je dis ouais dans le nouveau monde <laughs> oui parce que c'est un je crois c'est c'est une très grande différence d'esprit mmh. entre les deux. Qu'est-ce que ta expérience et ah. tes, tes raisons mmh, Ça, c'est une bonne question. Alors, euh, tu sais, pour, pour moi, je viens d'un tout petit village dans le sud de la France qui s'appelle Saint-Vallier. Il y a euh, 2000 personnes. C'est euh, donc vraiment très petit et c'est à une heure de Cannes. Donc voilà, ouais. la Provence, c'est très joli, c'est très traditionnel, mais j'ai toujours aimé habiter dans des grandes villes, personnellement, comme, euh, comme Paris, comme Bruxelles. Oh. Euh, J'aime bien les grandes villes. Euh, et, euh, et en fait, ma femme vient d'Arizona. Elle vient de, près de Phoenix, en Arizona. Ouais. Donc, on s'est dit, hmm, alors si on se marie, qu'est-ce qui est le plus logique oh. Au milieu. Au milieu. <laughs> voilà, donc, on ouais. a choisi New York. Et ah, elle avait ma femme avait habité à New York pendant quelques années avant qu'on se rencontre wow. et, euh, et en fait elle a adoré New York donc elle m'a dit viens il faut que je te il faut que je te montre New York et je suis tombé amoureux de New York donc on est on a décidé de, de venir ici euh, et d'habiter ici permanent qu'est-ce que je suis désolé je suis le gars qui te pose tellement de questions non fais fais Vas-y. Hein. Qu'est-ce que la différence d'esprit ou de, de, de l'avenir entre France et New, euh, New York ou les États-Unis États pour bien. toi Alors, tu, tu veux dire la différence d'état d'esprit, c'est ça Pour toi, de ta expérience. De mon expérience, ouais. ouais. Hmm. Et bien, ça dépend en fait, ça dépend. Prenons Paris par exemple. Prenons Paris. Tu sais, tu as le ouais. stéréotype parisien, qu'ils sont, ouais. euh, sont très pressés tout le temps. They're always in a rush. Ils sont très pressés, ils sont euh, un peu. Euh, ils ne sont pas très sympas ou euh, pas très ouverts. Comparé à New York, tu vois, les gens ici, ils sont aussi pressés, ils sont aussi euh, ouais. un peu durs. Mais euh, comparé à Paris, par exemple, ici, moi, j'ai l'impression que. Quand tu es New-Yorkais, tu fais partie d'une grande famille. C'est un, un peu bizarre parce que à Paris tu as pas cette cohésion ici. À Paris c'est oh, ouais. ouais à Paris oh, c'est un peu plus oh. c'est un peu plus chacun pour soi chacun pour soi. Tu connais cette expression chacun pour soi? Oui, oui. et restent reste en, en le petit groupe. Voilà c'est ça. Et on se regarde à peu Voilà. Exactement. Et, et pour moi, l'idée c'est que ici, même si tu connais pas tout le monde, même si euh, les gens sont peut-être un peu euh, un peu distants des fois, de toute manière, les gens qui s'identifient en tant que New-Yorkais, tu as un esprit de groupe qui qui pas à Paris. Ou, ou, à, à, oh. mon à mon expérience, à mon expérience, j'ai pas senti ça à Paris. Oh. ouais. C'est bizarre parce que, ben, ouais, bien sûr, les Américains, je dis, les Américains, surtout sont très bavardés. Ils sont très bavards. bavards. Ils sont très bavards. Et, euh, très sympas, bavards et talkative. Ils ouais. n'existent pas ailleurs dans le monde. Absolument, je absolument. Je vais mettre un petit... Un petit euh, attends. Pour le petit vocabulaire qu'on voit comme ça, donne-moi un instant. Je vais mettre un petit document comme ça. Let me make it smaller. Voilà, voilà. Ouais, ça, c'est du super vocabulaire. Donc, bavard, par exemple. Ou bavarde. J'utilise le verbe bavarder. Le bavard est le noun. Euh, c'est l'adjectif. C'est l'adjectif. Oh, bah, l'adjectif. OK. Voilà. So, talkative. Or chatty. Yes. Euh, voilà. Talkative, chatty. Euh, et ensuite... Ouais, euh, tu, tu as raison. Tu as le verbe bavarder. Ça veut dire to chat. Voilà. Impeccable. Ouais, c'est... Euh, et c'est, euh, comment dire, c'est intéressant parce que les, les Parisiens ne sont pas très bavards. Euh, les, Parisiens, les Parisiens, ils aiment bavarder avec leur groupe, mais pas avec les autres. Tu vois? Ouais. Oui, je trouve que les Américains, en général, sont plus ouverts à rencontrer, surtout à New York aussi, à rencontrer les autres. Mm -hmm. C'est une différence de culture. Ouais. Est-ce que tu as. Um, est-ce que tu. Est-ce que pour yeah. toi oui, il y a il... une grande différence à Toronto? Tu veux que je répète la question? Si, en 30 ans, à Toronto, à Toronto, les gens sont aussi. Oh, il y, y a un petit délai. Je me. Je me. To me poser si y a. Si. Oh, ok. Mais est-ce que tu me. Répète <laughs> c'est les gens sont moins bavards qu'à New York. Oui. Qu'à New York. Euh, mais c'est très différent ailleurs de la France. Oui, c'est très, très différent. Les gens ici euh, sont. En Kigol, c'est un peu de. De. Derivative, derive, dérivé. Dérivé, exactement. De. de... Anglo-Saxon Victorian conservatism. Ooh. On est très On, on est très poli tout ouais. le temps, mais à, à, le prix d'être poli est d'être en souris, mais on ne pose pas tellement de questions, on, on donne chacun le space. D'accord, on donne de l'espace. Ouais, ça c'est une bonne expression pour les autres aussi. Donner de l'espace à quelqu'un ou à quelque chose. Uh, to give space to. Ouais, j'aime beaucoup ça. Yeah. Uh, parfait. Yeah. Ouais, uh, je suis d'accord. Tu as, tu as une notion un peu différente, c'est vrai. Et compare ça, par exemple, en France, okay. je, je prenais l'exemple de Paris. Donc Paris, c'est un peu, un peu différent. C'est un peu plus, euh, euh, c'est un peu plus, euh, comment dire Ah, euh... oh, j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est euh... C'est un peu plus froid, Paris. Mais si tu vas par exemple à Bordeaux, à Toulouse, à Nice, euh, à Lyon, les gens sont beaucoup plus, euh, ils sont beaucoup plus ouverts à la conversation. Tu peux euh, parler avec des, des gens, euh, avec n'importe qui. Voilà. Donc c'est, ça dépend, ça dépend. Ouais, ouais, ça dépend. La deuxième je, je, euh, plainte, j'écoute plusieurs fois. Et ouais. En France, c'est généralement généralement plus rigide société, ah. parce que j'ai connais quelques amis européens et, ici à Toronto et qui ont déménagé ici de Suisse, l'Italie et de la France mm -hmm. et on, on dit, parce que aux États-Unis, en, Amer en our New World. Oui. On dit que je garde toujours, on, on peut faire tout ce qu'on voulait. Mm -hmm. L'important, c'est gagner de l'argent, ouais. payer les impôts et respecter la loi. Les trois <laughs> choses. Tu veux faire tout ce que tu veux. Oui. Et on veut, on veut devenir à chaque moment ce que on veut en on mais j'écoute une un plainte de l'Italie et ouais. et on accorde trop d'importance à ce que les autres pensent de soi oui c'est vrai ouais, c'est un peu différent de mentalité c'est juste c'est juste euh, et je, je suis d'accord en fait c'est un petit peu un petit peu différent en, en France tu as euh, je dirais que la France est peut-être parfait par exemple, pour moi, dans le sud, c'est très proche de la mentalité italienne. Très, très proche. Euh, ouais. Et euh, si tu vas dans le nord, par exemple, si tu vas, euh, euh, si tu vas à Strasbourg, c'est plus la mentalité allemande. Si tu vas euh, à Bordeaux, à Toulouse, c'est plus la mentalité espagnole. Donc ça dépend. Oh. Mais, mais, euh, mais oh. tu as plusieurs différences, oh, okay. différentes cultures qui influent, euh, qui influent la mentalité des Français. Après. Moi, moi, tu vois, c'est un cas particulier parce que j'étais à presque une heure de l'Italie. Donc, c'était une mentalité très forte euh, euh, italienne, méditerranéenne, tout ça. Donc, c'est euh, un peu différent. Et, mais je suis d'accord, en France, la... Qu'est-ce que cette mentalité, dis Ah, alors, cette mentalité, ça serait plus pour moi euh, une mentalité où les amis sont importants où les relations avec ta famille sont importantes, c'est peut-être plus important oui. que le travail. Que... Ah oui, très italienne, oui. Voilà. Oui, c'est très italienne. Comme voilà, ça, oui. exactement. Donc, c'est euh, différent parce que euh, compare ça aux États-Unis où tu as raison, le travail, c'est la priorité numéro un. En France, non, le travail, c'est pas la priorité numéro un. <laughs> oui, je suis d'accord avec 300%. Oui, c'est en anglo-saxon culture, c'est un peu bizarre. Oui, parce que je, quand je vois les la télévision, la première, c'est tellement de différences de mentalité. Quand on se présente, c'est le nom. Oui, et en anglo-saxon culture, c'est la profession. D'accord, oui, c'est ça. Je m'appelle Jason, je suis musicien, mais. Ça n'existe pas en France, j'écoute ça jamais. C'est juste mon nom, mon origine ou, ou pourquoi je, je, je suis lié à cette occasion. Ah uh -huh. c'est vrai, c'est vrai. Oui, yeah, oui, ouais. aux États-Unis, la profession est la priorité. Ouais, ça fait partie de ton identité aux États-Unis. Ouais, ouais, c'est oui, et oui. très différent hein, comme ça. Donc. Ouais. Et est-ce que... Vas-y, vas-y, je, um... vas vas je t'en prie. Non, vas-y, vas-y. Alors, bah, je disais... Je, je te laisse. Je disais, j'allais te demander, est-ce que... Alors, tu parles anglais, tu parles français, est-ce que tu parles d'autres langues aussi? Je suis né à Hong Kong. Ouais. Um, je parle cantonais. Quentinet avec ma famille. Mais au, ly au lycée, j'ai pris quatre ans d'espagnol. Très bien. Mais j'ai presque oubli oublié beaucoup d'espagnol, sauf que quand je rentre, quand je vais, je vais au Mexique, il mm -hmm. me prend dans quelques jours pour, pour me rappeler les mots essentiels. Et ouais. c'est tout. Super. Ouais, donc tu, donc tu as Est-ce que tu as commencé l'espagnol avant le français ou tu as appris l'espagnol après avoir commencé à apprendre le français Oui, l'espagnol était avant au lycée. D'accord, d'accord. Oui, j'ai pris français comme un adulte. D'accord. Est-ce que ça est-ce que tu trouves que ça t'a aidé de connaître l'espagnol avant Oui, bien sûr. Le, le système grammaire, l'espagnol m'aider beaucoup. Oui. Mais beaucoup. Mais dans la prononciation, le vocabulaire, c'est très différent encore. Mm -hmm. ah, oui, c'est vrai. Mais les structures de phrases et le vocabulaire sont très similaires. C'est vrai, c'est vrai. Il n'y a pas beaucoup de différences. Enfin, tu as quelques trucs qui sont. Euh... Qui ne sont pas pareils, euh, des temps, des utilisations de structures qui ne sont pas pareils, mais en majorité, c'est vrai que l'espagnol est très très proche du français avec la grammaire. Uh, oui, 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 bien sûr. Euh, quelques langues. Euh, c'est bizarre, je trouve les, les langues latines. La euh, latine. latines c'est bizarre. Je... Latine. Oui. Je les apprends parce que c'est les pays qui sont pas au... dans ce temps-là, mais mieux maintenant, qui parlent pas beaucoup d'anglais. Quand on voyage en Italie, ou en France, ou en Espagne, mm -hmm. ou au Mexique, même si on ne parle pas beaucoup d'anglais, donc c'est nécessaire d'apprendre. D'accord. Mais au pays nord, comme en Scandinavie, tout le monde parle. C'est vrai, <laughs> c'est nécessaire. Moi j'ai entendu une blague une fois, euh, quelqu'un qui me disait que en France on sait parler euh, une demi-langue parce qu'on ne sait pas bien parler le français, mais les pays scandinaves ils savent tous parler <laughs> au moins trois ou quatre langues. Donc, euh, euh, comparé, à la, comparé à la France, nous on sait même pas parler notre langue correctement, eux ils savent parler plusieurs langues euh, ouais. facilement. <laughs> ouais, c'est ça je respecte c'est le système c'est la mentalité mais on, il faut admettre on, on habite dans une on, on dans une génération très anglophone oui anglicisation oui l'anglicisation de l'internet. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, moi, c'est ce que ouais. j'essaie d'enseigner de, de, aussi dans mes cours, tu vois, euh, qu'il y a énormément de mots anglais qu'on adapte en français. Euh, par exemple, la dernière fois, j'avais vu le mot, euh, j'enseignais le mot binger. <laughs> binger, on a fait un verbe pour binger une série, par exemple. Tu binge un TV show. Euh, donc là, tu as... Beau... Oh, ouais de, Tu as ouais. plein de mots qui sont adaptés directement. et il y a tellement... Ouais, ouais, comme management, marketing, c'est normalement, j'ai appris, c'était la gestion d'une compagnie, mm -hmm. mais maintenant, c'est management de compagnie. Exactement. Alors, oui. alors ça, c'est une oh. compagnie, je pourrais dire, je ne sais, je sais pas au Québec, mais en France, je dirais une entreprise. Une entreprise, « for a company ». Oh, ouais. ouais, Donc le management ouais. d'une entreprise, tu as ouais. tout à fait raison. Ouais. 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 Mais en même temps, je j'accepte que la langue évolue, mm -hmm. comme même si en français, même si en anglais. Oui, c'est vrai. Yeah. C'est vrai, c'est vrai. Donc, ouais. Oh, c'est drôle. Oui, c'est drôle, mec. Vas-y, as-tu plus de questions ou plus de sujets? Ouais, je suis je suis curieux. Pourquoi tu as tu as commencé à apprendre le français? Qu'est-ce qu euh, qu qui qu'est-ce qui t'a attiré vers le français? Je trouve il y a deux. J'adore voyager. C'est 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 <coughs> je dois voyager dans... c'est quelques fois je voyageais en France et quand j'étais jeune mm -hmm. ça m'énervait beaucoup de ne pas pouvoir pas parler d'accord parce que je rencontre surtout avec l'espagnol je sais je dois comprendre ces mots ces phrases et ça m'a ignited ah ça m'a Is Allume. Ouais. Ça allume, oui. Oui. Alors, et, et, uh, ignite. Le début. Oui. Ouais. OK. Alors, here, to, to conserve the same idea, I don't think that allume is a great fit here. Let's try to find something else. Uh, alors, allume ici, I, I, you're right in the exact translation to ignite or to turn on. Uh, for example, light. <laughs> <laughs> Wait. Uh, as you can see, yeah. If I if I. on In part, c'est just député. Why? Ça m'a. <laughs> ça m'a me faire Hmm. Ça m'a fait commencer. Ça m'a fait commencer. Or. I'm trying to find the best fit for you because that's a good situation right here. Uh, donc ça m'a. Okay. So if I want to, ça m'a intrigué. I think. It intrigued me, so it, it piqued my curiosity. I think that's what you meant, right? Yes. Très bien. Wow. I know that word, mais, mais je, je n'ai jamais imaginé d'utiliser comme, cette manière. Voilà. Uh, je sais allumer, débuter, commencer, comme d'habitude, intriguer. Voilà. C'est « intriguer » ou « faire intriguer » Alors, « je suis intrigué »,« je suis intrigué ». Ou ici, « ça m'a okay. ça okay. m'a intrigué »,« it intrigued me » if I were to, do, to translate it again directly in English. So, « right. it made me curious okay. »,« ça m'a rendu curieux » or « ça m'a intrigué ». Ouais. Super, super, super. Cool, cool et, euh, et quel est ton objectif avec le français? Donc, tu dis tu aimes beaucoup voyager. Est-ce que tu as quelque chose que tu veux faire avec le français, que tu rêves de faire avec le français? Non, surtout, c'est le plus important de garder une conversation basi basique. Oui, oui. Ah, oh, oh, la deuxième, oh, je dis, OK, je. Je, je serais très honnête avec toi. <laughs> le, deux, le deuxième raison est pour draguer les mecs. <laughs> C'est bizarre, j'ai pris une pause en, de français pour quelques années, ouais. mais il y a 5 ou 6 ans, en 2016, j'ai rencontré un mec qui vient d'arriver de la France, ouais. Strasbourg, et de début, il y a un très fort niveau d'attraction mm -hmm. mais c'est très très grand le cas de la langue ah, Et ça ça' re, re intrigué si c'est cette de d'apprendre le français jusqu'au maintenant ouais mais, dans ce temps là j'ai failli comme en début de vidéo j'ai failli de serrer le mec mais on reste encore très bons amis. Mm -hmm. Et ça, à cause de lui, mon français est beaucoup amélioré. Et, je... et grâce à au... YouTube et Netflix aussi. Génial, génial, génial. Donc ça t'a donné une impulsion pour continuer d'apprendre le français, je vois. Oui, dans cette ce période... Là, de cinq ans, j'ai rencontré deux autres mecs français et suisses. C'est bizarre. Comment je rigole avec des amis? Je crois que c'est la même situation avec les ethos. Oui. We think with our... Dix. <laughs> On pense avec nos bites, oui, c'est ça <laughs> Et oui, c'est pas exactement ma une mauvaise situation que j'apprends une nouveau, nouvelle langue à cause de ça, <laughs> oui, c'est eh, ça... la vie qui, qui, qui m'a fait ça Ça t'a motivé, ça t'a motivé, donc je comprends Ouais. <laughs> Puis le français, il est romantique aussi, donc euh, donc après c'est un bon euh, c'est un bon point pour draguer les autres aussi. Ah, tu parles français tout de suite, euh, c'est euh, c'est euh, un bon point. Ouais ouais, deux choses. Je dois voyager pour draguer avec les mecs. <rire> <rire> ouais, donc ça te permet. Et maintenant, je regarde les films, les séries français sur... Beaucoup de temps sur Netflix, YouTube juste pour garder la. pour entrer et juste garder mon niveau. Et je, je, je te remercie, remercie tellement pour cette opportunité de pratique. Avec plaisir. Ça, ça me fait plaisir. Super. Donc, tu, tu vas. T'as des projets à retourner en France après ce covid, cette de covid Oui, je veux absolument visiter ma famille dès que, dès que, euh, euh, dès que la situation retourne un peu à la normale. Mais euh, enfin, je vais attendre d'être vacciné. Je veux attendre que ma famille soit vaccinée. Et là, j'irai les, les visiter. Euh, mais oui, j'aimerais beaucoup aller à Bordeaux, à Toulouse pour, 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 pour les vacances. Ouais. Oui, la semaine passée, j'ai passé une ou deux heures sur Airbnb à la recherche de location au, au sud, à Nice ou à Aix-en-Provence. Ouais. Mais c'est encore juste un rêve parce que ce n'est pas, pas décidé s'il est possible d'y aller. Oui, je comprends. Pardon. Je comprends. C'est un peu dur, mais bon. On croise les doigts, on croise les doigts pour que pour qu'on puisse y aller bientôt. Ouais, ouais. super. Ouais. Bah écoute, écoute, Donc, Jason, c'était un plaisir ouais, de te rencontrer. Euh, super, ah, vas-y, vas-y. Ouais, c'était un plaisir à toi aussi. Et je, je vais adhérer à tes vidéos et possiblement, 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 possiblement à la prochaine fois. Avec toi. Ouais, avec plaisir. Ouais. Viens, viens quand tu veux. Ici, c'est ouvert pour tout le monde. Donc, euh, tu peux venir pratiquer avec moi quand tu veux. Merci beaucoup, monsieur. Et bon week-end. Toi aussi, Jason. À bientôt. À bientôt. Allez, hop. Ok, parfait. Oh, oh that was cool. All right, so this is exactly what I wanted, guys. I want. to be able to provide you with a space to do that so feel free to do that okay i leave the link in the chat for you to join unfortunately i won't have time to see someone else today because i gotta work i gotta teach some classes today so i'll have to i have to finish the stream here however feel free to come back next week i think i'm going to keep this slot from now on at 10 a.m eastern time on saturdays but yeah, I am super happy to provide you with a space for you to practice French, to have conversations like this, uh, and also it's it don't it doesn't have to be one on one. We can have several people come on stream at the same time. Okay, uh, I can have up to four people at the same time in this room. So feel free to come in, practice as long as you want, and I can help you with that. I also had the the little words of vocab that I noted. I will put that in the description when the video is done processing, you know, it takes like a, a couple hours or something like that for me to be able to edit it and whatever. But yeah. Je vous souhaite tous un bon weekend. So, good weekend to you all. Et à la prochaine. Ciao. À bientôt.